7h du matin, ma copine et moi sommes à l'hôtel. Ah merde. Non mais regardez, on est les premières au petit déjeuner. Non mais franchement, si tu veux foutage de gueule, je suis désolée. C'est quoi ça? C'est parti, deuxième jour de formation today. Toujours avec Mago, Anas. Hey. Hey. On a hâte de vous montrer notre cours d'aujourd'hui. Du coup, le matin, c'est cours. Voilà, et après l'après-midi on fait pratique. Donc aujourd'hui apparemment ça va être un challenge, on va voir. Bon, en tout cas ravi que les stories d'hier vous ont plu. Même nous on était très contentes pour notre premier day, donc j'ai hâte de vous partager celui d'aujourd'hui. Hein. You say you done in your time. Man, and if nothing, what is it? No, doing me and that's me. Take a step back, let me get to know you. Put in some space to get even closer. Single talk, and I wanna show you. So this can feel like it's supposed to be. And it's time, get it right, you know that I always. Bon, du coup, avec Ada, on a fait une journée intensive. Donc, c'était super sympa. Franchement, Joy, c'est une super prof. Elle s'occupe très bien de nous. On est très bien reçus à l'académie. Et là, on retourne. On part à notre nouveau logement. Voilà quoi. Apparemment, c'est une petite cabane. Donc, on va découvrir. C'est parti l'aventure. Hein. Nous sommes bien arrivés dans notre cabane suspendue et comme vous pouvez voir, il fait moins je sais pas combien de degrés. Il fait trop froid. C'est un froid, mais glacé. En tout cas, c'est très... Demain, on va faire la pratique sur nous-mêmes. Donc, on va apprendre à s'auto-maquiller et vous êtes nombreux et nombreuses à me demander si je veux être make-up artiste. Non, je ne suis pas là pour me former en tant que make-up artiste. Si, j'apprends les bases comme une make-up artiste, mais je veux apprendre à me maquiller, à m'auto-maquiller. Et aussi, voilà, pour mes futurs contenus, mes futurs projets, voilà, j'ai envie d'apprendre des bases, des techniques que je ne connais pas forcément. Donc, voilà, j'ai hâte. Franchement, comment vous dire, j'apprends beaucoup de choses. Déjà, en deux jours, j'ai énormément appris. Et je suis quand même assez fière de moi pour quelqu'un qui n'a jamais maquillé des personnes, quoi. Enfin, à part mes copines pour le fun. Mais là, pour le coup, voilà, je m'expérimente. Je me challenge. J'adore ça. Je kiffe.